Conformément à la nouvelle loi 1913 régissant les activités des hydrocarbures en Algérie, un important contrat de partage de production pétrolière a été signé ce matin à Alger entre le groupe pétrolier algérien Sonatrach et la société chinoise Sinopec pour une durée de 25 ans. Le contrat que nous signerons aujourd'hui est un contrat de type partage de production sur le périmètre contractuel de Zarzaitine dans le bassin d'Ilizi. Il sera le second conclu sous l'égide de la loi 1913 régissant les activités d'hydrocarbures en Algérie. Le montant de l'investissement global prévu dans le plan de développement de ce contrat est estimé à 490 millions de dollars et qui permettrait une récupération de près de 95 millions de barils de l'huile. Un jalon supplémentaire dans le renforcement de partenariats qui lient les deux compagnies pétrolières. À travers la multiplication de leurs projets de partenariat, Sonatrach et Sinopec confortent leurs relations contractuelles et ceci présage d'un avenir encore plus fructueux dans les relations entre les deux compagnies. Ce pacte est également un engagement des autorités algériennes pour assurer la sécurité énergétique du pays. Cet accord pour la réalisation d'un important projet entre Sonatrach et Sinopec entre dans le programme d'investissement du Sonatrach. Il vise à développer l'activité des hydrocarbures. Cet accord aura également pour but d'élargir la base des réserves du pays en hydrocarbures et d'augmenter la production pétrolière et gazière à travers l'investissement international pour garantir la sécurité énergétique du pays à moyen et long terme. Ce projet comprend notamment le revamping de l'unité gaz Lift, le forage de 12 nouveaux puits de développement, des travaux de workover pour l'achèvement de 6 puits existants, le raccordement des nouveaux puits de développement et la maintenance des installations de la surface existante et la récupération des gaz torchés et la réduction des émissions de carbone.